وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, le 25 du mois de Ramadan, de l'année 1439 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons un petit rappel sur les règles de Zakat al-Fitr, car nous sommes, comme je viens de dire, le 25 du mois de Ramadan, c'est-à-dire que l'Eid sera dans 5 jours ou 6 jours, c'est-à-dire qu'elle sera jeudi, qu'elle sera vendredi ou samedi cette année, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet qui est très important, qu'on a l'habitude de rappeler tous les ans pendant le mois de Ramadan, de faire ce rappel qui est un rappel très important car ces choses s'oublient vite et il nous convient de se rappeler les uns les autres. Et le rappel est profitable aux croyants, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles. Azza wa jal. Qu'est-ce que Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr, c'est une aumône obligatoire. Zakat al-Fitr, c'est une aumône obligatoire qui est due à la fin du mois de Ramadan, pour la rupture du mois de Ramadan. Ils ont l'habitude de la traduire comme l'aumône de rupture du mois de Ramadan. Quelle est sa sentence légiférée? Qu'est-ce que c'est que le hukm, la sentence de Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr est une obligation pour tout musulman. D'après ce hadith qui est rapporté par Ibn Umar, radiallahu anhuma, qui se trouve dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, ainsi dans le recueil authentique de l'imam muslim, où il dit farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqat al-fitri min ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir 'ala al-'abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Dans le sens approximatif de ces paroles, le prophète Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré une aumône de la rupture du mois de Ramadan. Un sa', on va l'expliquer à la fin de ce petit rappel. Un sa', qui est une unité de mesure qu'on utilise pour quantifier les denrées. Et c'est comme cela que nous sortons Zakat al-Fitr. Un sa' de tamar, de date, ou un sa' de sha'ir, d'orge. Donc il a légiféré cela pour qui? Pour celui qui est esclave, comme pour celui qui est libre, comme pour les hommes, comme pour les femmes, pour les petits, comme pour les grands parmi les musulmans. C'est une obligation qui incombe donc à tout musulman. C'est-à-dire que, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'était une obligation même pour l'esclave. Et l'esclave, lui, il n'est pas obligé de donner zakat al-mal, mais zakat al-fitr, de la rupture du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a obligé cela. Pareil. Voilà, donc pour toutes ces personnes qui sont l'ensemble des musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé aucune personne qui ne devra pas donner zakat al-fitr dans ce hadith. Bien sûr, les savants expliquent cela comme étant une obligation pour celui qui trouve de quoi manger. Le ulama, les savants disent, pour celui qui trouve de quoi manger pour lui et sa famille, une ration de quoi manger pour son jour et sa nuit. S'il n'a pas cela, s'il est en dessous de cela, il ne sera pas obligé de donner zakat al-fitr. S'il est en dessous de cela, une ration de manger pour lui et sa famille, et ceux à qui il lui incombe de donner et de dépenser pour un jour et une nuit, s'il n'a pas cela, eh bien, il ne sera pas obligé. C'est la seule personne parmi les musulmans qui sera exempte de Zakat al-Fitr. À qui est-elle obligatoire? À tout musulman, comme donc dans ce hadith qui vient d'être cité, le hadith d'Ibn Omar, à toute personne, petit ou grand, homme ou femme, esclave ou libre, toute personne lui sera obligatoire de sortir Zakat al-Fitr, et il sera obligatoire pour lui aussi de sortir Zakat al-Fitr pour chaque personne à qui il est obligé de subvenir à ses besoins. C'est-à-dire que toi, en tant que père de famille, il t'est obligatoire de subvenir aux besoins de tes enfants, par exemple, et de ta femme. Et bien, à partir de là, il te sera obligatoire de sortir Zakat al-Fitr pour ta propre personne, un sa' pour toi, et un sa' pour chaque personne de ta famille.
un sa'a pour ta femme, un sa'a pour ton fils, un sa'a pour ta fille, pour chaque personne que tu seras obligé de dépenser. Comme cela, une personne qui vivra avec sa mère et son père, par exemple, qui sont des personnes âgées, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, et lui, il habite avec eux, et il s'occupe d'eux. Et il s'occupe de dépenser pour eux dans la vie de tous les jours, et bien il lui sera obligatoire de sortir Zakat al-Fitr, un sa'a pour chacun d'entre eux. Quel est le temps pour sortir Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr devient obligatoire au coucher du soleil de la nuit de l'Eid, c'est-à-dire la veille de l'Eid, la première nuit du mois de Shawwal, à la fin du dernier jour du mois de Ramadan, cette zakat, elle deviendra obligatoire pour lui. Avant cela, ce ne sera pas une obligation pour lui de la sortir. Mais à ce moment-là, elle devient obligatoire pour lui de la sortir. Et les temps pour sortir Zakat al-Fitr, ils sont de deux sortes. Il y a un temps qui est préférentiel et un temps qui sera préférentiel et un temps qui sera un temps d'autorisation. Ce sera autorisé pour toi de la sortir. Le temps où il sera autorisé pour toi de sortir Zakat al-Fitr, ce sera un ou deux jours avant l'Eid. Un ou deux jours avant le jour du Eid, ce sera une autorisation pour toi de sortir Zakat al-Fitr. Si tu prends ta zakat et tu la donnes à celui qui en a le droit, eh bien tu auras donné Zakat al-Fitr, walhamdulillah. Si tu la sors une semaine avant, ça ce n'est pas quelque chose qui est à faire. Tu ne dois pas sortir cette zakat, Zakat al-Fitr, une semaine ou deux semaines en plein milieu du mois de Ramadan, tu sors Zakat al-Fitr, non. C'est un ou deux jours avant le jour du Eid. Et comme cela, si tu sors ta zakat après la prière de l'Eid, le jour du Eid après la prière, eh bien tu auras sorti une aumône parmi toutes les aumônes, une sadaqa. Mais ce ne sera pas une zakat fitr, et à partir de là, tu n'auras pas donné tu n'auras pas fait cette obligation qui était pour toi de sortir Zakat al-Fitr. Et le temps préférentiel est le fait de sortir Zakat al-Fitr après le Fajr du jour du Eid jusqu'à la prière. Entre le Fajr du Eid, du jour du Eid et la prière de l'Eid, ceci est le temps préférentiel. Tu sors avec ce que tu as sorti comme denrée et tu vas le donner à ceux qui le méritent. À ce moment-là, tu auras certes fait donner ta Zakat al-Fitr dans le temps qui est le temps préférentiel pour la donner. Et la preuve de cela, que tu as le droit de sortir Zakat al-Fitr un ou deux jours avant le jour du Eid, est ce hadith qui est rapporté par Ibn Omar, comme dans Sahih de l'imam al-Bukhari, le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, où il disait « Kuna nu'tiha yawman qabl al-Eid ou yawmain » Nous la donnions un jour ou deux jours avant le jour du Eid. De quelle sorte est cette zakat? C'est-à-dire, quelle est cette chose que tu dois donner en zakat al-Fitr? Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, et vous vous rappelez donc l'introduction de l'assise précédente qu'on a fait donc sur les caractéristiques principales des gens de la Sunna, nous avons évoqué quelles sont les bases desquelles nous prenons la science. Nous, les gens de la Sunna, nous avons dit le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les paroles des imams de cette communauté, ces grands imams comme l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, l'imam al-Bukhari, wa Muslim, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, et la akhir. Rahimahumullah wa jami'an. Eh bien, on trouve que ni dans le Coran, ni dans la Sunna, nous voyons l'autorisation de donner Zakat al-Fitr que en denrées alimentaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré comme dans ce hadith que nous avons rappelé précédemment, ce hadith qui est rapporté par Ibn Omar, comme ce hadith qui est rapporté par Abi Sa'id al-Khudri qui est dans le Bukhari Muslim, où il dit qu'on a nukhriju ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nous sortions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fitr sa'an min ta'am. Il dit donc, nous sortions Zakat al-Fitr au moment, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un sa' de nourriture. Et il dit, wa ta'amuna yawma idhin al-sha'ir wal-zabib wal-aqid wal-tamr. Et notre nourriture ce jour-là, ou à cette époque-là, était l'orge, était le lait caillé séché, l'aqid, était aussi la date était aussi Az-Zabib, c'est-à-dire les raisins secs.
Donc ceci est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, le fait de sortir zakat al-fitr en nourriture. Il n'a pas légiféré en aucun cas de le sortir en autre que cela, c'est-à-dire en vêtements, ni en argent, ni autre que cela. Et ce qui est légiféré donc, c'est de sortir en nourriture, et la nourriture qui est la nourriture qui constitue la nourriture des gens du pays. C'est-à-dire si les gens de ce pays ont l'habitude de manger particulièrement du riz, comme dans certains pays, eh bien, la meilleure zakat que tu pourras sortir, ce sera du riz. Ça ne veut pas dire que c'est interdit pour toi de sortir zakat al-fitr en date ou en pâte, ou etc. Ce n'est pas interdit pour toi. Mais la meilleure chose à faire, c'est de le sortir avec cette nourriture, car ce sera la nourriture qui sera la plus profitable pour les gens du pays où tu habites. Parmi ces preuves qui nous montre qu'il est interdit de sortir zakat al-fitr en argent, comme c'est malheureusement fait dans certains endroits, et c'est pas une généralité, il y a beaucoup d'endroits aussi, wallah alhamd, beaucoup de mosquées, je parle ici en France, mais dans le monde musulman, dans la plupart des pays, ils le donnent pas du tout en argent, ça c'est pas quelque chose de connu. Dans la plupart des pays musulmans, vous ne trouverez pas quelqu'un qui le sort en argent, ça c'est vraiment pas quelque chose de connu. On parle ici de France, beaucoup de mosquées qui ne le donnent pas en argent. Et dans certaines mosquées, bien sûr, ils demandent de donner zakat al-fitr en argent. Et cette chose-là est une erreur. Et cette erreur, comment pouvons-nous juger que cette chose est une erreur? Comme on l'a dit au début, que nous prenons notre religion du Coran, de la Sunna et des paroles de nos grands imams. Parmi ces preuves qui nous montrent aussi qu'il n'est pas permis de la donner en argent, le fait que ceci va à l'encontre de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait et ce qu'il a légiféré. Comme cela va à l'encontre de la Sunna des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette sunnah, cette voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre lorsqu'il nous dit alaykum bi sunnati wa sunnata wa sunnati alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Yani, il nous donne ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de suivre sa sunnah, sa voie, et la voie, la sunnah de ses califes bien guidés après lui. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous regardons ni sa sunna, ni la sunna de ses califs bien guidés, nous trouvons qu'ils ont ordonné ou ils l'ont même fait sans leur donner même le faire de eux-mêmes, donner zakat al-fitr en argent. Aussi, le fait que zakat al-fitr est une adoration. Et les adorations, ce qu'ils légifèrent, c'est Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète par révélation de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il ne convient donc pas à un serviteur de légiférer une adoration et de changer quelque chose et ou de changer quelque chose à une adoration qu'Allah et son prophète ont légiféré. Et certes, comme vous l'avez vu dans les preuves que nous avons citées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré zakat al-fitr, a légiféré de la donner en denrées alimentaires et non en autre chose. Aussi, parmi les preuves qui montrent que zakat al-fitr ne se donne pas en argent, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que nous avons rappelé au début, hadith Ibn Umar, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré la zakat de la rupture du mois de Ramadan, un sa' de nourriture, un sa' d'orge, un sa' de date pour tous les musulmans, eh bien, l'ulama, les savants, ils disent que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé après nous avoir le professeur Sam, après avoir légiféré une chose, a rappelé les choses dans laquelle elle doit être donnée, la manière de laquelle doit être donnée, la manière de laquelle doit être faite cette adoration qu'il a légiférée, et bien cela nous montre qu'il a détaillé toutes les facettes de cette adoration et qu'on ne peut pas sortir de la manière dont le professeur Sam a détaillé cette adoration. Donc le professeur Sam a légiféré zakat al-fitr. Ensuite il a détaillé comment la donner et qui doit la donner. Il a tout détaillé de cette adoration, il ne convient pas donc de sortir les détails qu'il a donnés. Un dernier point, le fait que Allah Azza wa Jal a légiféré une aumône sur les biens d'une personne. Zakatul mal, c'est une aumône obligatoire sur les biens d'une personne, sur son argent. Et autre que son argent, mais c'est une aumône à donner en argent. Ici, zakatul fitr, c'est une aumône pour la rupture du mois de Ramadan qui doit être donnée en denrée comme il a été légiféré. Si tu veux donner de l'argent, sors ton aumône obligatoire qui est zakat al-mal. Si tu n'as pas à donner zakat al-mal ou tu l'as déjà donné, donne une sadaqa parmi sadaqat, n'importe quel aumône qui te sera légiféré tout au long de l'année sans restriction de temps. Tu peux donner de l'argent à n'importe quel moment. Pourquoi donner de l'argent à ce moment-là alors que ce n'est pas une chose qui a été rapportée ni du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons?
Donc, il faut te restreindre à ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a dans cela tout le bien dans notre vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Il nous reste deux derniers points à traiter, le fait de savoir à qui elle doit être remise. Zakat al-Fitr, elle doit être remise à qui? Elle doit être remise aux pauvres et aux indigents parmi les musulmans. Zakat al-Fitr ne doit pas être donnée à un non-musulman, elle doit être donnée exclusivement aux musulmans et exclusivement aux pauvres et aux indigents, en dehors des six autres sortes de personnes à qui on peut donner Zakat al-Mal. Qui est rappelé dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ jusqu'à la fin du verset. Donc les autres sortes, qui sont 8 sortes de personnes à qui tu peux donner ton aumône légal, zakat al-mal, eh bien il ne te conviendra pas, il te sera interdit de sortir zakat al-mal pour ces personnes-là, sauf pour les deux premiers qui ont été rappelés dans le verset الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينَ, les indigents et les pauvres. Et la sagesse de cette zakat, zakat al-fitr, elle a été rappelée dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, farada rasulullah, ou donc le rapporteur dit, farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré zakat al-fitr comme purification pour le jeûneur. Min al-lagwi wal-rafath. Al-lagwi wal-rafath, on le traduira par les obscénités et les paroles futiles qu'il a pu dire ou commettre, les actes d'obscénité ou les paroles futiles qu'il aura pu dire ou commettre pendant le mois de Ramadan. C'est une purification pour lui, c'est Zakat al-Fitr. Wa tu'matan lil-masakin, et pour nourrir les pauvres. Nous voyons ici donc la sagesse de cette Zakat, Zakat al-Fitr. Pour purifier ton jeûne et pour nourrir les pauvres. Et les ulama disent, les savants disent qu'elle a été légiférée à la fin du mois de Ramadan, pour ne pas, car c'est un jour de fête, et pour ne pas laisser le fait de mendier, de demander leur nourriture à un jour de fête comme le jour de l'Eid, qu'ils aient de la nourriture avec laquelle ils puissent cuisiner. Et on voit dans cela aussi une autre sagesse, dans le fait que le prophète l'a légiféré en denrées alimentaires et non en argent. Car avec de l'argent, une personne peut acheter peut-être ce qui lui convient, peut-être ce qui ne lui convient pas. Il peut, avec de l'argent, l'utiliser d'une mauvaise manière. Mais si tu lui donnes des denrées, tu peux être sûr qu'à ce moment-là, walillahilhamd, l'ensemble des musulmans auront de quoi préparer à manger pour eux, pour leur famille et même pour leurs voisins, le jour de fête de l'Eid, où il ne convient pas à un musulman de tendre la main et de demander sa subsistance. Le dernier point est sa quantité déterminée, la quantité qu'il vous faudra sortir pour Zakat al-Fitr par personne. C'est un sa', comme il est venu dans le hadith. J'ai dit que le sa', on allait l'expliquer à la fin du cours, et c'est bien là. Donc le sa', qu'est-ce qu'il est? C'est une quantité, c'est une manière de quantifier la nourriture, ou les choses en général qui se quantifient. Il y a des choses que vous pouvez quantifier et d'autres que vous ne pouvez pas. Et cette unité de mesure est une unité de... pas de poids, pas de mesure comme les mètres, les centimètres, etc. Mais c'est une unité de quantification. Le sa'a. Et le sa'a qui est voulu ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous légifère de donner un sa'a, c'est le sa'a des gens de Médine. Comme il est venu dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mikiel, Mikiel ou Ahlil Medina, ou Al-Waznu, Waznu, Ahlil Makkah. Le wazn, le poids, c'est le poids des gens de la Mecque. À l'époque, c'est comme ça qu'ils utilisaient le poids, ils prenaient le poids des gens de la Mecque. La balance qu'utilisaient les gens de la Mecque. Et le mikiel, c'est-à-dire le sa', cette unité de quantification, l'unité de quantification qui était utilisée par les gens de Médine. Et cette unité est représentée, ou est utile, c'est-à-dire pour sortir cette unité, ils utilisaient à l'époque un récipient qui est celui-ci. Celui-ci, ça s'appelle Al-Mudd, Al-Mudd al-Nabawi. Ça, c'est exactement pour bien que vous compreniez, le mud, c'est un quart de as-sa'. As-sa', ce qu'on a dit, donc zakat al-fitr, tu dois donner un sa'. Donc si tu dois donner zakat al-fitr un sa', tu dois sortir quatre fois l'équivalent de cela, le mud. Les gens de Médine à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam utilisaient le mud pour quantifier leurs denrées. C'est-à-dire que quand ils allaient chercher du riz, ils prenaient le riz comme cela. Là, j'ai pris un mud, je le verse dans le sac. 2 moud, 3 moud, 4 moud, je suis arrivé à un sa'. Ça s'appelle un sa'. Un quart de ce sa', c'est un moud.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un récipient comme celui-ci, avec lequel il prenait les denrées alimentaires, avec lequel aussi il faisait l'oudou, comme c'est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et dans le recueil authentique de l'imam muslim, d'après Anas ibn Malik, où il disait, radiallahu anhu, « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u bil-muddi wa yagtasilu bil-sa'i ila khamsati amdad. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, dans le sens approximatif des paroles de Anas ibn Malik radiallahu anhu, il faisait le wudu avec un mud, c'est-à-dire l'équivalent d'une fois ce récipient, et il faisait le ghusl avec un sa, c'est-à-dire quatre fois ce récipient, et la khamsati amdad jusqu'à cinq fois ce récipient. Il faisait le ghusl avec cette chose-là, il faisait le wudu avec l'équivalent de cela. Il en avait un chez lui, et comme vous savez, notre communauté est une communauté de isnad, comme on dit, ummatul isnad, la communauté de la chaîne de transmission. Tous les hadiths que nous rapportons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les rapportons avec une chaîne de transmission qui va de nous jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que notre religion soit préservée. Et jusqu'à, pour nous montrer le fait que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a préservé cette religion dans l'ensemble de ses facettes, jusqu'à Al-Mudd al-Nabawi, ce récipient qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison et qu'il utilisait, eh bien il nous est rapporté à nous avec une chaîne de transmission. Celui-là, je l'ai pris à un de nos savants, qui lui m'a autorisé à le rapporter de lui, qui a été autorisé à le rapporter de lui. C'est un savant que vous trouvez dans la ville de Mecca, pour ceux qui aiment aussi avoir qui aiment avoir l'autorisation de rapporter cela et d'avoir la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir rapporter Al-Mudd, c'est ce grand savant qui est Shir Yahya Al-Mudarris Azim Abadi, donc de la ville Azim Abad, qui est connu chez les gens de l'Hind, de l'Inde et du Pakistan. C'est un grand savant qui a sa chaise dans la mosquée sacrée de Mecca, dans Al-Haram Al-Makki, et qui donne des cours quotidiennement. C'est un grand savant, des savants de la Sunna, et il donne l'autorisation de rapporter Al-Mudd al-Nabawi. Donc Al-Mudd ici, c'est exactement celui que j'ai dans les mains, c'est exactement celui qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a été rapporté d'un de ses compagnons, qui est un parmi tabi'in l'a rapporté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il était utilisé, il est encore utilisé jusqu'au jour d'aujourd'hui à Médine. Et nous, tous les ans, on a l'habitude, pour faire revivre cette sunna, la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se réunir. Tous les ans, on a l'habitude de faire ça quand je suis en France, ici au Mai, dans la ville du Mai, dans le 77, que vous connaissez, qui n'est pas très loin. Et on sort Zakat al-Fitr pour tous les gens qui veulent venir la sortir avec le Mudd al-Nabawi, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait à l'époque. Car c'est bien comme cela qu'il a ordonné de le faire à la base, de sortir en ça. On prend la nourriture, qu'est-ce que tu veux? Je veux du riz. Je prends quatre fois ça, je l'ai sorti pour une personne. Chaque personne, on le sort comme cela. Et les savants ont autorisé à le sortir en poids, car ce n'est pas facile à tout le monde d'avoir cela. Si tu ne peux pas avoir ce récipient, eh bien tu le sortiras de cette manière-là. Les savants ont estimé que l'équivalent de ça, c'est l'équivalent des deux mains d'une personne de taille moyenne réunie. Tu prends dans du riz, tu sors une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu as sorti un sa, tu as donné ta zakat al-fitr. Et si c'est quelque chose de difficile parce qu'on est dans une société, on va dire, comme ils disent, la société de consommation, tout est emballé, etc., etc., eh bien tu vas dans un marché comme Carrefour ou Auchan, etc., tu achètes un sachet, et ils disent que le lama, ils disent que l'équivalent du mud, par exemple en riz, l'équivalent du sa, pardon, en riz, c'est-à-dire 4 fois cela, c'est l'équivalent de 3 kilos. Tu sors 3 kilos de riz et tu le donnes et tu as donné ta zakat al-fitr. Mais la meilleure des choses, c'est bien sûr de le sortir de cette manière-là. Et nous sommes tous les ans au quartier de la gare au Mai, et nous sortons Zakat al-Fitr pour les gens. Pour ceux qui veulent venir, nous serons là-bas mercredi, Inch'Allah Ta'ala, de 11h à 21h, devant l'épicier pakistanais Imran, qui est là-bas. Et nous avons une table, nous sommes libres, et nous sortons Zakat al-Fitr pour tous ceux qui ont besoin de le sortir. Et nous nous chargeons de le donner à quelqu'un. De le donner à quelqu'un qui en a le droit. Une dernière chose, pour ceux qui veulent le donner en argent, donc on a dit que le donner en argent, ce n'est pas valable. Tu n'as pas donné Zakat al-Fitr au moment où tu as donné de l'argent. Ce n'est qu'une aumône parmi les aumônes. Mais une chose qui est autorisée pour toi, s'il était difficile d'aller l'acheter, de le sortir de cette manière ou de telle manière, ou de trouver un pauvre, les savants ont autorisé à une personne de donner, par exemple, l'équivalent de ce que la personne va lui sortir
comme ça, par exemple, on va dire qu'un ça équivaut à 6,50 €. 6,50 € de riz. Et bien ça, c'est ta zakat al-fitr. Toi, tu peux donner cet argent-là à quelqu'un, tu lui dis, s'il te plaît, je te délègue afin que tu me sortes zakat al-fitr. C'est-à-dire que toi, tu pratiques la sunna, tu sors zakat al-fitr en denrées alimentaires, mais tu as juste délégué quelqu'un car tu n'as pas le temps, tu ne peux pas y aller pour telle et telle raison, donc tu délègues quelqu'un. Mon frère, s'il te plaît, prends cet argent et sors pour moi un sa' de nourriture comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait et donne-le donc à ceux qui en ont besoin. À partir de là, ta zakat sera acceptée. À l'inverse de celui qui veut sortir en argent, celle-là, malheureusement, celle-là n'est pas une zakat al-fitr qui sera acceptée. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi.